C'est impressionnant. Ouais. J'ai l'impression d'être posé sur la lune. C'est l'impression que j'ai, quoi. Le prochain, ça sera New York ou Annecy. C'est un challenge personnel, en fait, que je me suis mis en tête depuis des années, finalement. C'était de courir un marathon sur les 5 continents, aux 2 pôles. L'Antarctique vient conclure l'histoire. Un peu difficile, là, déjà, de terminer les premiers 21 km. Frédéric est tout au loin devant. C'est visiblement la grande forme aujourd'hui. On ne sait plus si on court depuis une heure, une demi-heure, deux heures. On sait qu'on est là, on est présent, on est dans quelque chose où on est concentré par rapport à son corps et par rapport à ce qu'on vit. Et en même temps, on est détaché des secondes et des minutes qui s'égrènent. Arrivée en première femme d'une course, même en rêve, je ne l'avais pas forcément imaginé. Very good. Okay. Yeah, for making sure you came here. Thanks a lot, Lisa. Ton septième, j'ai fait première femme. Oh. Ouais. Extra. Je le savais.